Merci. Il est superbe. Il est génial, ouais, ouais. Magnifique. La jaquette est vraiment... elle a été inspirée de faire le double personnage comme ça. C'est vraiment elle en plus. Hein. Ouais, ouais. Super. L'intronisation du Maharaja. Ça, tu l'as trouvé aussi, Kim? Oui, oui, j'ai trouvé aussi Kim. Et ça, tu vois, ça a été pour moi vraiment un grand plaisir. Parce que c'est comme un travail d'enquête où tu cherches, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, tu vois. Et puis, sur le Tibet, j'ai pu aussi... Montre-la, cette photo. Celle du Maharaja, c'est incroyable. Je vais te la montrer. Voilà, c'est ce jeune Maharaja, voilà, tu vois. Et alors, l'archiviste aussi, Kim, elle m'envoie cette photo. Parce que tu lui avais demandé quoi, là? J'avais demandé une photo de Sidiong Tulku, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Elle m'envoie cette photo en me disant, regarde, c'est le jour de sa cérémonie d'intronisation. Elle me l'envoie, et je regarde, et tout d'un coup... Elle est là, on la voit, elle saute aux yeux, en plus. Hein, ouais. Et dans la maison d'Alexandre Lavinel, au musée, il y a pas, ils n'avaient pas cette photo, donc ils étaient absolument ravis. Une inédite. Ça, c'est, voilà, une inédite. Alexandra Davidney, 100 ans d'aventure. Jeanne Mascolo, tu viens de sortir ce nouveau livre. Oui, c'était une grande aventure pour moi. Voilà, moi, je me suis toujours passionnée pour le Tibet, pour l'Himalaya. Et cette passion m'a amenée à faire des films. Ça fait presque 30 ans que je fais des films. Et le premier film que j'ai fait, c'était une biographie de la vie de cette grande exploratrice. Alexandra Davidney, oui. Et j'ai eu la chance de pouvoir consulter toutes les archives qui étaient déjà à ce moment-là énormes, mais très difficiles à classer. Et c'était voilà, dans la maison d'Alexandra. Mais j'ai fait un gros travail de recherche à ce moment-là. Et un jour, récemment, on est venu me proposer, 25 ans après ce film, de faire la même chose en livre. Et il faut dire que c'est un livre illustré avec beaucoup de photos et d'une recherche iconographique importante. Mais oui, c'est mon premier livre, mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il appartient à une collection où il y a texte et images. Ouais. Et donc, finalement, c'était incroyable parce que j'ai fait le même travail que dans un film et j'ai pu associer la biographie, parce qu'il y en a déjà plusieurs d'Alexandra, mais là, j'ai été un peu plus loin dans la partie, la première partie de sa vie. Avant qu'elle parte vraiment en voyage pour longtemps, toute cette partie qui est moins bien connue, où elle a quand même vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où elle a participé à tous les mouvements progressistes de cette fin de siècle, qui étaient le féminisme, l'anarchisme, l'orientalisme, les débuts. Et puis surtout, elle a été cantatrice. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens l'ignorent. Même tu racontais que la secrétaire d'Alexandra Davidney, que tu as emmenée toi-même au Tibet, pour ton premier film, pour remettre une statue qui lui avait été confiée, ne savait pas qu'elle avait été cantatrice. Voilà, elle a vraiment découvert, elle gardait ce secret, ce mystère autour de sa première partie de sa vie, et elle a découvert les malles avec les costumes d'Alexandra quelques temps juste avant sa mort, et c'est après qu'elle a découvert aussi les documents et tout ce qui a permis de retracer cette partie de sa vie. Et toi, est-ce que tu as découvert d'autres choses en écrivant cette biographie ? Oui, oui. J'ai découvert une femme encore plus passionnante et inspirante que celle que j'avais connue à mes tout débuts d'orientalisme moi-même. Et j'ai découvert surtout une femme beaucoup plus humaine et sensible que ce que l'on pourrait croire voilà, dans la manière dont elle est connue pour avoir été effectivement une femme courageuse et qui a entrepris quelque chose de remarquable en rentrant dans Lhasa, la ville interdite. Mais on la disait dure, autoritaire. Et moi, j'ai toujours trouvé, j'ai trouvé vraiment en fouillant dans les archives, une femme moderne, avant-gardiste. Elle est journaliste et elle essaye déjà de se projeter. Elle veut être indépendante, elle veut pouvoir transmettre ce qu'elle va découvrir. Une femme passionnée et passionnante. Et une autodidacte qui se joue un peu de toutes les étiquettes et les conventions sociales du moment, qui sont particulièrement lourdes. Ouais. Et ça, je trouve ça formidable. Ouais. Et les documents auxquels j'ai pu avoir accès m'ont permis d'appuyer et d'insister sur ce caractère-là. Donc un livre à découvrir de toute urgence, la biographie d'Alexandra Davidney par Jeanne Mascolo de Philippi.
sans parler de quelque chose que j'ai trouvé de très très important, c'est ça, c'est l'écriture même d'Alexandra, parce qu'elle, depuis le début, ah oui, c'est l'être, elle, hein. veut, ouais. elle veut écrire, tu vois, ouais. Et je trouve que c'est vraiment révélateur, voilà, ouais. tu vois, ce carnet, quand elle a 20 ans, belle ce carnet de ses pensées, tu vois, son, ouais. et de cette belle écriture qu'elle va garder tout au long de sa vie, je trouve que c'est révélateur de son caractère.